panne ? Comme à Paris. Non, j'attends l'assistance là. Ah, mais t'es en panne ? Je les attends. Qu'est-ce qui se passe quoi ? J'ai une panne à l'arrière, sur le disque arrière. Ils m'ont changé les plaquettes avant de partir hier et ils ont du mal à remettre quelque chose. J'ai de la maille de fer qui est tombée, ça m'a mis une alerte. Je me suis garanti depuis un mois, donc je peux appeler l'assistance là, dans une zone d'autoroute. Donc c'est tout, tout est compliqué. Tout est compliqué. Ça fait 2 heures que j'attends. Et on va emmener chez Ducati, il y a un Ducati là à 19 km ici. Oui, d'accord. Mais ouais, la réparation qu'ils ont fait hier, sinon ils vont. Enfin, c'est ils ont merdé, il y a eu un merde. Oui, ils ont merdé. Du coup, c'est pour eux quoi. Ils ont merdé quelque part et. C'est pour eux qui, c'est eux ouais, qui vont. C'est à Paris, donc j'irai l'air. Ah oui, d'accord. C'est vrai quoi. Ok. Pour leur faire. Mais c'est gentil de les arrêter en tout cas. Bah ouais, mais si, je peux pas faire quelque chose là tout de suite. Rien, on peut rien faire malheureusement. Ouais, surtout que faut enlever la roue quoi. Il y a le camion qui arrive pour me déposer au Ducati là et. Je vais m'attendre pour faire la réparation, je prends le bateau à Bastia demain. D'accord. Voilà. Bon bah bon courage. C'est comme ça, c'est les aléas de la vie. Hein. Bah, c'est gentil. Hein. Bah, pas de soucis. Merci beaucoup. Bonne journée. J'avais juste une idée à te proposer, peut-être te mettre à l'ombre. Hein ? J'avais juste une idée à te proposer, peut-être te mettre à l'ombre. Ouais, mais tu mets d'autres tout à l'heure sur le visage, mais elle a pas d'avancée. Ouais, mais si je te pousse, tu crois qu'on peut aller de l'autre côté, il y a de l'ombre. Vers le sapin à gauche, là. Enfin, c'est un trottoir, c'est petit, mais bon. Ouais, tu mets en face, j'ai même pas pensé. J'ai même pas pensé la mettre en face. Sur rond-point ou en face là-bas ? Sur rond-point, tout cela, ouais. Bah, comme tu veux, c'est un peu chaud quand même sur rond-point, non ? J'ai commencé à faire du motocross avec cette moto là. C'est un 230 CRF là. Ça c'est un 250 CRF M. 230 j'avais commencé. Ça veut dire quand on est parti avec, ça m'a fait rappeler des souvenirs. Non mais non, si tu veux je te pousse. Non, c'est pas grave, j'attends là. Parce que là il a pas l'air d'être décidé à arriver quoi le plateau. Le problème c'est qu'apparemment c'est tout touché là, t'es en train de voir là sur le tout, c'est tout touché. Il vient de Villeurbanne. Ah oui. Et c'est à Dardilly. Il y a un magasin du Gatou. Ouais, je connais, je suis dans le coin. Par l'autoroute c'est à un quart d'heure. Ouais, faut passer par l'autoroute aussi. Et bah par la nationale c'est à 20-25 minutes. Bah à cette heure-ci là ça commence à être chaud un peu mais. Ouais, en plus c'est le départ en vacances. Ouais. Encore ça roulait bien mais je suis à plus de 14h30. Ouais, mais tu veux pas que je te pousse de l'autre côté ? Non, mais t'es gentil. T'es sûr ? Bah, tout seul, mais faut la première fois d'ici. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. C'est adorable. Ok. Bon, bah. Bon, mais c'est adorable. Bon courage encore. Merci. Et tu dis, à Paris, ils sont pas comme ça, les motards ? Oh, c'est pas comme ça, non. Disons qu'à Paris, ils sont tombés en panne, c'est plus facile. Bah, parce que si t'appelles SOS Motard, il y a une quarantaine de sociétés qui sont des petites camionnettes qui t'emmènent immédiatement. Ouais. C'est beaucoup plus facile. Là, je me suis rendu compte que là, je suis sur un air d'autoroute encore, là, je suis sur l'autoroute. Même si on a passé le panneau. J'ai appelé mon assistance, ils m'ont dit non, vous êtes sur l'autoroute, il faut aller à la borne. J'étais à la borne, appelé l'appel d'urgence, ça marche pas. Revenu, il m'a dit bah appelez le 17. Et après c'est Ducati qui m'a trouvé un dépanneur. Ouais, mais ils sont un peu cons parce que là l'autoroute elle est terminée depuis longtemps là. Je dis le panneau est terminé, je leur dis. Non, le rond 3 fait partie de l'autoroute encore. Putain, ouais. D'accord. Je suis venu tout à l'heure, j'étais. Ah mais je comprends. Je comprends. En plus c'est dur quand t'es pas du coin quoi. Ouais, c'est bon, ça reste la langue française. Hein, oui mais bon. Ouais. T'arrives en Allemagne. Ouais. Là c'est pas pareil. Ouais mais je veux dire, si ça t'arrive quelque part où tu connais, tu vas chez quelqu'un, ouais, tu ouais, vas. C'est plus facile, mais là c'est. Ouais, je suis. Bon, je vais te donner une occasion de connaître une Franche-sur-Saône, je connaissais pas. Ouais bah voilà, c'est fait. Je vais être à l'hôtel ce soir là-bas, t'es à Dardilly, on sait rien, j'ai mon bateau demain. Je sais pas comment ça se coupe ce soir là. Est-ce que tu descends de Paris jusqu'au dans le sud en moto ?
ma femme a pris prendre le train et on se rejoint à Marseille. Ouais. Et après on embarque on prend le bateau. D'accord. Ouais, ben. Et c'est bon. Ce sont prévus, mais toi il faut faire bien la révision, tout ce qu'il faut. Les mecs ils vont monter la. Ils vont monter la plaquette n'importe comment. Ça va bouffer le disque là. Ouais, je vois, ouais. Bon, je te donne une carte, je fais des vidéos sur YouTube. Hein ? Je fais des vidéos sur YouTube. Ah, bah, je vais regarder ça. Et si tu veux bien, je peux te mettre. Enfin, je peux mettre le fait. Ouais, la situation. Voilà. Bah, tu veux que je te floute ou pas Tu veux que je te floute ou pas le visage ? Non. Non, ok. Bon, bah. Un souvenir à ma femme. Bon, bah, encore bon courage alors. Bah il faut. Hey, psst, attends, pars pas. Reste un peu, pars pas comme ça. Déjà, si t'as mis la vidéo, tu peux la montrer à tes amis ou à ta famille. Bon, pas ton grand-père par contre, lui va faire que râler. Et vu que tout le monde est déjà parti, je vais te dire un petit secret. Alors en fait, tu sais, des vidéos, il y en a plein d'autres. Il y en a même à droite qui sont proposées par YouTube, et qui sont pas forcément de moi, mais qui sont trop bien. Bah, va faire un tour, tu verras. Allez, installe-toi, enlève tes chaussures. Je vais te chercher une petite bière. Bah, enfin, un panaché sur ton âge.